Donc je vais vous révéler la recette du faux sperme qu'on utilisait donc quelquefois en cas de défaillance des acteurs ou voilà, je vais vous montrer ce qu'on faisait à l'époque. Voilà, il suffit d'un œuf, d'un récipient, ensuite de lait concentré sucré et ensuite la petite seringue de la contenance d'une éjaculation humaine normale de 2 à 3 cc. On ne récupère que le blanc. Maintenant, on met du lait pour le côté blanc laiteux. Et moi, j'utilise du lait concentré, sucré. C'est beaucoup plus agréable quand la jeune fille prendra le faux sperme dans la bouche et qu'elle devra faire couler ou l'avaler, ou etc. Voilà, ça a vraiment une consistance très réaliste. Et on remplit une petite seringue, alors suivant la taille, comme on veut. Mais moi, j'utilise un peu ça parce que c'est quand même un dosage humain. Voilà. Et c'est bon, en plus.